the special edition Peugeot 205 Junior. With so many special features on so few cars, you'll have to work fast to get one. I'll be working my way back to you, babe. Let alone two. With a burning love inside. Yeah, I'm working my way. Peugeot 205 Junior. A partir de 1.186 contos, você tem o carro único dos europeus. Peugeot. O leão mostra a sua raça. De deux modèles de base. Pour les néophytes, je rappellerai que le PRK, c'est le prix de revient au kilomètre. Je parle bien évidemment des différences de coûts d'utilisation au kilomètre de votre automobile. Aujourd'hui donc, au banc d'essai, la Peugeot 205 Junior qui déjà se laisse distancer avec un prix d'achat de 49 900 francs par la R5 Five avec 2000 francs de moins. Ces véhicules parcourent 15 000 km par an, roulent pendant 3 ans et sont achetés à crédit. La moyenne est pour la R5 de 1,68 points et pour la 205 de 6% de plus. En 3 ans, la R5 coûte tout compris, essence, assurance, amortissement, 75 600 francs. La 205, elle coûte 4 500 francs de plus. Pour un paiement comptant, la différence sera de 3 600 francs. Le même calcul sur deux modèles haut de gamme, R5 GT Turbo et 205 GT 1 litre 6, montre là encore une différence au bénéfice de Renault de 6300 francs sur la même période à crédit. Sur ces bases, une automobile vous coûte chaque année, tout compris, environ la moitié du prix d'achat neuf du véhicule. Au-delà du prix, esthétique, qualité et confiance dans la marque guideront votre choix. Oui, vous pourrez comparer tous les résultats dans le numéro spécial de 50 millions de consommateurs ou le prix de revient au kilomètre de 484 voitures. Motos et véhicules utilitaires les plus vendus ont été détaillés. Allez, je vous remercie de votre attention. À vous les sous. En relookant la 405 en juillet dernier, Peugeot a, à notre avis, réussi son pari. La finition et le confort intérieur sont en progrès et enfin, ils ont supprimé tous les petits bruits parasites. L'aspect moins plastique du tableau de bord est aussi à signaler. Côté motorisation, la 405 reçoit pour les versions GR et SR un nouveau moteur de 1761 cm3. Un moteur dont la sortie a dû être plusieurs fois reportée suite à des problèmes de fabrication. Le résultat qui nous est présenté aujourd'hui semble assez satisfaisant, puisqu'avec ses 103 chevaux, sans être un monstre de nervosité, il offre une certaine souplesse et un confort de conduite appréciable. Cure de jouvence également pour la 205 Junior. Il était temps, me direz-vous. C'est surtout l'intérieur qui a subi un lifting complet, nouvelle décoration pour les sièges, qui reste cependant en jean, et surtout, on voit enfin apparaître un niveau de finition acceptable, même si on regrettera toujours l'absence de l'allume-cigare et d'une poignée de maintien. À l'arrière, on note l'apparition d'un essuie-glace et une légère modification du coffre. La plaque située entre les deux feux n'est plus noire, mais de la couleur de la voiture. À votre appréciation. Enfin, rappelons que depuis le mois d'avril, la 205 Junior est disponible en diesel et que depuis peu, le moteur essence reçoit l'injection, ce qui permet l'installation d'un pot catalytique.